double appel sur la chaîne Arsène Laïgaï. Bon, on fait le double appel, c'est parti, on y va tout de suite. Si t'étais à côté de moi, t'as vraiment point dans la gueule déjà, mon gars. Viens devant si vraiment t'as des couilles. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Si t'as des couilles, viens devant là. Ouais, pauvre connard là. Le double appel de Difool sur Skyrock. Elles aiment bien les familles, les couilles. Elle dit souvent, ouais, si t'as des couilles, tu viens. Eh bien, on arrive, c'est parti. On prend les numéros que vous nous avez laissés, les numéros qu'on a testés pour le double appel de ce lundi. Premier double appel de la semaine, c'est parti. Ouais. Pendant que vous mettez les notes au bleu. Nous, on appelle les familles. Alors, les deux premières familles que t'as sélectionnées, c'est Francis qui et Jérémy. Francis et Jérémy. Allô? 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 Oui? C'est qui? Qui est cet appareil, là? Ah, c'est vous qui m'appelez, c'est qui? Je n'ai appelé personne, là. Ah bon? Ça sonne chez moi, mais vous appelez personne. Attends, il y a quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure et qui demandait Francis. C'est vous? Non, 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 non. Vous m'avez appelé tout à l'heure, vous m'avez appelé par mon prénom. C'est quoi ce bordel là? Bah, j'en sais rien. Bah écoute, hein, tout à l'heure, quelqu'un, il y a un quart d'heure, quelqu'un m'a appelé. Mmh. J'ai répondu, il a demandé Francis deux fois. Il entendait pas bien, il a raccroché. Et Francis, c'est moi. Ouais. Et là, j'ai appelé personne là. Ouais. Bah écoutez, j'en sais rien, mais là, vous appelez chez moi là, à 22h, donc. Mes enfants sont couchés. Regarde pas le match. Attends, je vais appeler personne, je te dis. C'est qui la deuxième personne, là? C'est ma femme qui est là-bas, pourquoi? Non, c'était une voix d'homme. Bon, qui est d'où, là? Là, je suis à poil, là. Hein? Ah ouais, je suis à poil, là. Allô? Je suis en train de m'assurer, là. Qui, là? Moi, je suis Patrick, hein. Patrick. Je connais pas. Ouais, j'ai une bonne bite surtout, hein. Allô? 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 Oui? Qui est à l'appareil? Qui est à l'appareil? Vous faites que ça de nous appeler, là, ça fait trois fois déjà. J'appelle personne. C'est marqué appel masqué, mais ça appelle chez nous, hein. J'appelle personne, je vous dis. Tout à l'heure, c'est moi qui ai été appelé. Là, il y a un souci au niveau des téléphones, mais... Certainement, parce que là, vous habitez où, d'abord? Dites-moi où vous habitez, parce que moi, je ne connais pas... Dans la Haute-Saône. Oui, nous aussi, on habite en Haute-Saône. Du côté de... Du côté de... De Moret. Allô? Et vous êtes d'où, là? Je suis en train de m'assurer, là. Il y a du foutage de gueule, là. Tu la prends bien, là. Il y a du gros foutage de gueule, vous avez que ça à faire? Oui. Salut, les filles. Ouais. T'es en train de te branler? Eh ben écoutez, c'était pas mal. Pas mal pour un début. On voit un petit coup d'essai. Hein, ça part? Et le monsieur s'interroge, hein. Évidemment, il se demande. Il m'a appelé par mon prénom. Oui, on va pas l'appeler par le prénom du voisin. Donc c'est Francis, lui, qu'on a eu c'est ça, au ouais. téléphone. Tu peux peut-être le rappeler, le Francis. Hein, pendant qu'on en appelle d'autres. Allô? Allô? Ça commence à bien faire, là. Vous arrêtez vos conneries. Allô? Il faudrait cesser de nous appeler, madame. Oui, allô? Oui? Allô? Ils comprennent pas. Oui, ils comprennent pas, mais vous arrêtez un peu vos conneries, là. Vous avez que ça à faire, à cette heure-ci, là. Doigt dans la chatte, là. Vous êtes des tarés, hein. T'as mis un petit peu de... Vous appelez plusieurs personnes, j'ai d'autres personnes au téléphone. Et je peux te dire que je vais te baiser... Million. Il y a un autre monsieur, en fait. Mm-hmm. Il est en érection ou pas? Allô? Moi, je suis décaloté complètement. Oui, bien sûr, ouais, mais t'as que ça à faire. Vous avez que ça à faire à cette heure-ci, vous pensez pas que... Non, il n'y a pas possibilité d'arrêter vos conneries, là? Ouais, absolument, oui. Je suis en train de m'assurer là. Non mais la petite, elle faut pas faire entendre ça. Hein. Non. Non, non. T'es en train de te branler? En train de me branler. Je branle bien là. Et donc ça à faire à cette heure-ci quoi. Moi j'appelle la gendarmerie maintenant. Hein. Ah bon? C'est marrant ça. Ça fait rire les cons quoi. Ah oui. J'ai pas entendu, excuse-moi. Et
bien toute ma vie. Voilà. On appelle la gendarmerie. Voilà, voilà. Allez, c'est bon, parti. Bon, bah voilà, bah, je me disais, c'est quand même assez bizarre. Hein. On avait eu la menace, j'appelle mon opérateur tout à l'heure, mais on n'avait pas eu le gendarmerie. Ah bah ça y est, on l'a eu. Et puis on a eu notre gendarmerie, c'est bien. Bah évidemment, la classique. Ah tu finis là. Ah bah en fait, il restait deux numéros. Bon alors, on finit les deux derniers numéros et vous profitez de la soirée. C'est vrai, Frédéric. Vous aussi pour nous appeler, pour appeler de partout, en masqué, en pas masqué, vous appelez comme vous voulez, vous aussi. Hein. En numéro caché, comme l'a dit les familles. Eh oui. En inconnu. Allô? 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 Oui? Oui, comment vas-tu? C'est qui? Bah, devine. Eh? Devine quoi? Allô? Oui, c'est qui? Allô? Oui, c'est qui? Il fait du bricolage derrière. Hmm? Du bricolage derrière, des voix bizarres, c'est un truc enregistré, c'est normal. Ah oui, c'est bizarre. Moi je suis Patrick. Hein. C'est pas quelqu'un. Allô. Pascal. Ouais, j'ai une bonne bite surtout. Hein. Okay. T'as une bonne bite, moi j'ai un bon coup de fusil pour tes côtes. C'est Skyrock, je crois bien. Ouais, absolument. Je crois que Romano, tu vas payer un cadeau. Ouais, pourquoi moi c'est une voix de Skyrock. Bah oui, c'est une voix de Skyrock, t'as vu, elle dit. T'es en train de te branler. Elle dit, ah, Romano, il va me payer un cadeau. Non mais t'as reconnu Romano, je crois qu'il va bien. Il y a plein de gens derrière, c'est un truc de ouf. Est-ce que tu penses que Skyrock va te payer un cadeau? Alors je repose la question mieux. Est-ce que tu penses que Romano de Skyrock va te payer un cadeau? Oui, il va me payer un cadeau. Bah, il a pas dessus, il a fait faillite ce week-end. Mais banques fermées. Mais Skyrock, vas-y, on est en direct. Vas-y, branche Sky. J'attends que tu m'appelles, poitrinaire, tous les matins. Ah, mais ça, c'est plus avec Diffoul qu'il faut voir. Pour les 1500 euros, oui, c'est moi qui m'occupe de l'argent, sinon Romano il vole. Moi, je voulais les 1500, moi. Ah, bah, c'est Diffoul qui s'en occupe. Demain matin, peut-être, les 1005. Demain matin, ouais. On fera. C'est comment ton prénom? C'est Michael. Et comment elle s'appelle, ta chérie, qui nous a reconnus, hein? C'est elle qui va gagner le cadeau, là. Ouais, c'est Victoria. Victoria, bah, victoire pour Victoria. Bravo, Victoria. Félicitations la à vous, alors. Donne. Allez. Ah, Victoria. Hey, qu'est-ce que tu nous offres? Romano, qu'est-ce que tu offres? Ah, mais non, mais c'est, il veut de l'argent. J'ai vu qu'on offrait 500 euros, j'ai vu qu'on offrait 20 000 euros avec Non, Romano, tu me donnes un cadeau, là. Non, mais vois avec Diffoul. Moi, tu sais, si j'ai accès à rien du tout. Bon, quittez pas en tout cas, tu fais une grosse bise à ta Victoria. Et puis, on va vous envoyer un cadeau. Cédric, hein. Est OK pour vous payer une tablette. Wow. Ouais, une tablette de chocolat. Voilà, c'est ça. Tout à fait, tu choisis. Bon, tu quittes pas en tout cas. Salut, et puis salut à Victoria d'ailleurs, on vous embrasse tous les deux. Ciao. Ouais, merci, ciao. Bon, ciao l'ami. Le double appel. Allez, bisous, pendant... à toute l'équipe. Bisous à toi, ciao. Ciao, pendant la victoire, vous votez pour... Sur la chaîne Sly Guy. Et alors, hein, maintenant c'est parti, parce que je vous l'avais dit, le double appel arrive, les familles sont là, elles sont prêtes, on y va. Allez, go. T'es en train de te branler? Je suis en train de me branler. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Figure-toi bien une chose, que si t'avais la tronche en face de moi, tu verrais comment je me branle. C'est quoi cette histoire, monsieur? Le double appel de Diffoul sur Skyrock. C'est drôle. Hey, j'ai dit comment je me branle. T'as le bourgeois qui arrive derrière. Oui, alors excusez-moi. Moi, je suis en train de m'emmonter avec du lait. C'est quoi cette histoire, monsieur, là? Oui. Bon, c'est parti pour le double appel. Le double appel, vous savez comment ça marche? On prend les numéros que vous nous avez laissés, on les teste une fois qu'ils sont testés. C'est-à-dire maintenant, on les met en contact ensemble. Par paquet de deux, parfois plus, mais c'est parti pour Mickaël et Grégory. Pour le double appel. Allô? Oui, allô? Oui, ne quittez pas. Allô? Ouais, allô? Ouais? C'est qui? Hein? C'est qui? Ah, c'est moi. C'est Mike, Mickaël. Mike? Oh, c'est qui? C'est Greg. Hein? C'est le Mike. Mike. C'est qui? Ah, Chris, le Mike. Putain, c'est le Mike. Ouais, c'est qui? C'est le Mike, du con. C'est qui? Ta sœur. Ta sœur. Content. Allô? Elle va le beurre. Allô? Ta sœur. Je rappelle. Oui, comment vas-tu? Allô, c'est qui? Moi, je suis Patrick. Hein? Hein? Patrick. Patrick. Ouh, Patrick. Ouh. Ouais, salut les filles. Oui. Alors, c'est qui? Ouais, j'ai une bonne bite surtout, hein. Allez, allez. Allez. Là, je suis à poil, là. Je suis en train de m'assurer, là. Ça te branche? Allô?
C'est qui? C'est qui? Eh bien, c'était le Mike. C'est le Mike. La crise au Mike. C'était la crise. C'est la crise au Mike. C'était la crise au Mike. Putain, ça ressort la branlette. Ouais, ce qu'on disait quand j'étais petit, ouais, la branlette, parfois, ça, ça ressort. Merci à Mike et à Grégory qui étaient les deux premiers pour ce double appel. Allô? Allô? Oui? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est le bordel chez vous, hein? Bah ouais, un peu, ouais. Allô? Oui? Oui, comment vas-tu? Bah bien. Bah très bien, là. Ben, moi, je suis pas fini, hein. Oui? Là, je suis à poil, là. Ouais. Ouais, je suis à poil, là. Ah bah c'est bien. Tranquillement, ouais, avec la queue à l'air, là. T'es en train de te branler? Je suis en train de m'assurer, là. Allô? Allô? Oui? Oui, comment vas-tu? Ah bien, et toi? Bah très bien, là, bon. Non. Je sens bien mon érection ou pas? Ah ouais, carrément, je mange un gâteau, là. Des calottes complètement. Ouais. Je suis en train de m'assurer, là. Non, vas-y. Mets-en un peu partout, vas-y. T'as mis un petit peu de doigt dans la chatte, là? Ouais, ouais. Tu veux faire ce demi-dieu, là? Ah, tu peux venir, vas-y. Ben, moi, je suis pas flic, hein. Ah, bah, viens, je t'attends. Mais il y a une femme derrière. Non, il n'y a pas que ça, il y a des hommes aussi. Je vois que t'aimes bien les hommes. Ah. Il faut que tu t'encules, là. Ah, ouais. Encule là comme il faut. De trois doigts dans le cul. Et encule-le. Avec un god et tout ça. Et encule-le. Oui, gendarmerie nationale, j'écoute. Tu mets un petit peu de savon là, tu laisses le lit. Gendarmerie nationale, j'écoute, présentez-vous. Bah moi je suis à Wolfie là, comme d'habitude. Ah ouais, d'accord. Mais moi je vais retrouver votre numéro et puis vous me faites pas chier, d'accord? Là je suis à poil là. Voilà, très bien. Super, quel grand rôle. Oui, vraiment, dans le rôle du gendarme, vraiment, moi, je lui donnerais un Oscar. César, un Molière. Ouais, tu lui donnes tout à lui. Ouais. Ah, ouais, c'est clair. Vraiment, le rôle du gendarme, il le tenait vraiment bien. Il l'avait, lui. Il était pas mal. Allez, c'est reparti. Christophe et Violaine. Vous êtes en plein double appel sur Sky. Christophe et Violaine. Oh, puis il y a tous les autres, je vois qui traînent. Il y a Patrice. Mad. Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Allô. Allô. Oui. Oui. Voilà. Vous avez appelé? Ah non, 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 c'est vous qui m'appelez. Ah moi, je comprends rien, là. Ah ben non, non, c'est le téléphone a sonné chez nous, hein. C'est vous qui nous a appelé. Ah ben, nous, moi aussi, c'est la même chose. Vous voyez, je suis avec mes enfants dehors, là, le téléphone, il arrête pas de sonner, donc je sais pas ce qui se passe. Oui, mais oui. Ça commence à me gonfler. Ah ben moi aussi, hein, parce que ouais, c'est la deuxième fois que... Si on se renvoie la balle comme ça, moi, c'est pas de ma faute, hein. Ah ben, je sais pas. Qui appelle Bah, c'est... Je sais pas, il y a un problème, là. Ah ben, je suppose bien. Ok. Allô? Bah, écoutez, désolé, bonne soirée. Vous êtes qui? Bah, monsieur... Oui, et puis là, il y a un autre monsieur qui est sur ligne, là, vous entendez? C'est monsieur Mazurier qui répond, en bas. T'es comment? Ta chatte est comment, là? Allô? Attends, essaye de parler avec lui, peut-être que c'est lui qui vous a appelé, hein. Bah je sais pas, mais il y a quelqu'un qui est en train d'appeler en même temps que nous, là. Allô? Ah bah oui. Vous entendez c'est la Michel personne, au téléphone. Là? Oui, oui. T'es en train de te branler? Ah, vous entendez? Ah oui, ben bah, il y en a... C'est une grosse pute, hein. Oh là 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 là, c'est quoi ce délire, là? Je sais pas. Patrick. Allô? Allô? Ouais, écoutez, s'il faut, on va appeler Orange, parce que moi, ça... Bah, attends, je vais lui dire, comme ça, je vais savoir si c'est lui qui vous appelle, parce que là, j'entends encore une autre voix qui... Oui, il y a une autre voix derrière. T'es en train de te branler? Ouais, et c'est un répondeur, il y a quelqu'un qui est en train de parler des choses obscènes, d'ailleurs. Et t'es comment, ta chatte est comment, là? Ah ben, essayez de parler avec lui, moi je vous laisse. T'encules, là. Allô? Ah merde, il est parti lui aussi, ils sont partis tous les deux. Eh bien, c'était pas mal, Violaine. Bah ouais, très bien. Et Christophe, on peut les rappeler, peut-être? Bah allez, c'est reparti. Allez, on leur repasse un petit coup de fil, c'est reparti. Alors, on était dans le 9-4. Et l'autre, on sait pas où il est. Laissez-nous d'ailleurs les endroits où est-ce qu'ils sont. Quand vous laissez un numéro, laissez le prénom et puis l'endroit où on appelle. Ouais. Allez, c'est reparti. Ah. Je crois qu'ils ont lâché l'affaire. Allô? Oui? Oui? Oui, allô? Oui, allô? Oui? Vous venez de me rappeler, là?
Ben non, je vous ai pas appelé. C'est vous qui nous a appelé là. Non, non, mais attendez, madame, attendez, bougez pas. Restez un petit peu à l'écart. Oui. Dis donc, toi, mon con, là, tu veux que je te retrouve, toi? Espèce de pute. T'es une grosse pute, hein. Voilà. Non, 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 c'est toi, là. Tu joues à quoi, là? Ouais, ouais, rigole. Rigole. Ouais, j'ai une bonne bite, surtout, hein. Ouais, ouais, fais le malin, ouais. Ah, j'ai jouir. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je suis en train de me branler, là, bien, je me fous, là, moi. Viens te voir, viens me voir, viens me voir, je vais te faire jouir. T'habites où, viens, tu vas voir. Yeah. Occupé de ton cas, moi. Oui. C'est ton copain, là. Quel copain? Ah ouais, c'est ça, ouais. Je te prends le saucisson de cheval, et je te l'enfile, là. Mais je cours, là. Tu es comment, là? Tu es en usiette, là? Ah ouais, apparemment, le monsieur vous connaît, hein. Ta gueule. Ah ouais, c'est ça. Eh, tu fais le malin ailleurs, s'il te plaît, là. De toute façon, j'ai un truc pour enregistrer, hein. Ah bah. Mais je couillon. Ouais, couillon. Saucisson de cheval. Ah ouais. Ah moi j'en veux bien moi. Bip bip. Eh ben je vous avais dit qu'on avait fait de rappeler. Ah ouais c'est clair. La dernière qui est arrivée avait une très belle voix. Couillon. Eh ben vous connaissez des gens avec des belles voix comme ça. Vous nous les envoyez. Merci pour les messages. Mec qui fait le show. Eh l'autre con derrière. Bon on y retourne pour le double appel quand vous voulez. Vous envoyez les numéros que vous voulez qu'on appelle le soir. Et on se fait un petit double appel quand vous le sentez là. Au 41759 sur skyrock.fr. Merci à Delanchim, c'est à Chavi, merci à Antonio qui nous laisse des numéros de téléphone là. Eh bien on s'en occupera d'ici tout à l'heure. On a fini, ça y est. Ouais. Sly Guy. Le double appel tout de suite sur Skyrock, c'est parti. Ouais. C'est pas le Saint-Esprit qui l'a fait sonner. Je vais appeler les flics et je vais te les mettre au cul. Qu'un des deux n'a appelé l'autre. Si vous n'arrêtez pas d'appeler le numéro, ce n'est pas nous. Ça va chier. Petit con de merde. Le double appel de Difool sur Skyrock. Elle gueule tellement que l'autre derrière, on l'entend même pas répondre. Non, c'est clair. Ça va chier, petit con de merde. Eh bien, c'est parti pour le double appel. On vient de finir de tester les familles. Là, on vient de finir de les appeler. Maintenant, on les met en direct ensemble. C'est parti, les deux premières familles de ce soir. Alors, on file dans l'est de la France. On va en région parisienne. Et puis après, bon, je vois débarquer. Allô? 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 Oui. Ouais. C'est qui? C'est qui? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, c'est qui? Ah, c'est pour se moquer de moi, c'est pas la peine. Comment? Non, pas la peine. Vous moquez. J'ai laissé ta télé, toi. Allô? Sa télé. Oui. Oui, comment vas-tu? Ben, je sais pas, je vous y répondrai quand je saurai qui vous êtes. Ah ben, c'est Michel au téléphone. Ah ben. Michel. Ah ben. Vous êtes sûr que vous ne trompez pas de personne? Ah ben... Vous êtes bloqué, Difool? Bon, ouais, j'ai pas que ça à faire, hein, maniez-vous le popota. T'es en train de te branler? Oui, c'est ça. Ouais? Ça t'excite, espèce de connard? Ouais, absolument. Eh ben, c'est très bien, va te coucher, ma pauvre con. Je suis en train de m'assurer. Je passe au mari. Ah, bien, c'est gentil. Ouais, comment que c'est, mon grand? Ouais, j'ai une bonne bite, surtout, ouais, hein. Tant mieux. T'as pas besoin, on a une bonne, connard. Hey, tu peux te mettre sur le bras, mon con. Et t'es comment, ta chatte est comment, là? Hein? Bon. Hein? T'as que ça à faire? T'es une grosse pute, hein? Hein? T'es une grosse pute, hein? Allô? Ouais, comment que c'est? Comment que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire, ouais, comment que c'est? C'est qui, là? Mais! Bah, je sais pas, moi. Et toi, c'est qui? Ah, c'est qui? Ouais, non, c'est toi qui arrête pas de m'appeler, là. Bon, ben, mon petit gars, si t'as vraiment du temps à perdre, ben, tant mieux. Allô? Ouais, bonne nuit. Bonne branlette. Bonsoir. Allô? Allô? Oui. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Oui? Allô? C'est la panique. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes qui? Bah, non, c'est vous qui m'appelez, hein, c'est pas moi. Hein. Ah, non, non, je regrette, je vous ai pas appelé. Bah, c'est Corinne. Honnête, hein, ça fait deux fois que mon téléphone sonne. Bah oui, mais c'est Corinne. Et hein. Je me suis couchée en plus. Non, c'est Corinne. C'est Corinne. Ah, c'est Corinne. Oui, bah, moi le téléphone il arrête pas de sonner. Et comment, il y a un monsieur qui arrête pas de m'insulter au téléphone. Et puis là, je tombe sur vous alors que je viens de décrocher mon téléphone. Alors moi je comprends plus rien. J'ai tombé sur. Ben, j'ai dit, mais qui c'est ça? T'es en train de te branler? Trois, quatre personnes, deux femmes. Oui, ben moi pareil. Qui s'engueulent. Oui, ben moi pareil. Eh ben, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Bah, j'en sais rien, je sais pas ce qui se passe, là. Hein. Mais j'ai dit à mon mari, là. C'est vous qui appelez sans arrêt, hein. Corinne, un peu. J'ai oublié sa voix. Bah oui, c'est parce que je viens de décrocher. Je viens de décrocher, puis je tombe sur vous, quoi. C'est pas un cheval, là, qu'on entend? Bah si, on vient d'entendre un cheval, maintenant. Bizarre, je sais pas ce que c'est que ça, ouais. T'entends pareil, toi? Bah oui, j'entends pareil. Oh. Bon, bah c'est tout, hein. Bah c'est tout, on va raccrocher. Oui. Ouais, voilà. On croirait les gens qui ont bu. Allô? Bah, peut-être. Allô? Allô? Bonsoir. Allô? Oui. Allô? Allô? Oui. Gendarmerie nationale, bonsoir. Ah. Bah. Je pense qu'il y a un bug, là. Parce que on n'arrête pas de m'appeler. Et qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a un bug avec le téléphone. Hein. Ah, ça. Moi, je t'entends aussi, hein. Bah oui, vous m'entendez. Puis là, je viens de tomber sur la gendarmerie. La gendarmerie? J'ai une dame qui vient de me dire... bonsoir, gendarmerie nationale. Oh, c'est des conneries, là. Bah là, là, je comprends plus rien. Là, ça commence à me saouler, ça. La dame. Allô? Allez, allô? Bonsoir. Allô? Allô? Oui. Allô? Bonsoir. Gendarmerie nationale, bonsoir. Ah, gendarmerie. C'est des bêtises ou quoi? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est le motif de votre appel? Bah écoutez, je sais pas, il doit y avoir un bug avec le téléphone. Parce que là, j'étais au téléphone avec ma belle-mère, et puis en même temps, j'entendais un cheval. Je vous promets, j'ai pas bu, hein, ce que je vous dis, c'est vrai. Hein. Et comment, y a un monsieur qui m'insulte au téléphone, puis maintenant, je tombe sur la gendarmerie. Hein, là, je comprends pas du tout. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah bah vous êtes encore là? Mais moi, je suis là, j'entends tout ce que tu dis. Et vous entendez, vous avez entendu la dame pour la gendarmerie? Oui, je t'ai entendu. On est trois personnes avec le même téléphone, là. Ouais. Oui. Je comprends plus rien, moi. Rien. Bah, moi non plus. Écoutez, je vais vous libérer la ligne. Oui. Hein? Et puis, s'il y a un souci, vous allez à la gendarmerie. Maintenant, on entend un canard. Mais vous entendez, vous, madame la gendarme? Oui. Vous entendez le canard? J'ai entendu, oui. Bon, alors, il y a une autre. Il y a une troisième personne qui est au téléphone avec nous. Enfin, une quatrième même, parce que j'ai été au téléphone avec ma belle-mère, donc... Je pense qu'il y a un souci sur la ligne téléphonique. Ouais. Allez, bon, bah, c'est tout. Oh, merci, allez, c'est chez moi. Au revoir. Bonjour Cédric. Salut les filles. La belle-mère, la belle-fille. C'est sympa d'appeler des gens qui se connaissent. Ouais. Hein. La belle-mère et la belle-fille. Je n'irai pas qui, parce que en fait, c'est le fils et le copain qui nous ont donné le numéro. Ah oui, bah voilà. Il nous a dit de rester anonyme. Je ne donnerai donc pas ton nom. Il va juste que ça commence par un S, mais je n'en dirai pas plus. Eh bien, c'était sympa comme tout. Et ouais. Puis, dans le rôle de la gendarme, aujourd'hui, on a vraiment eu l'acteur studio. Puisque les autres qu'on y a quand même cru. Madame la gendarme, je voulais vous dire, vous allez pas me croire, mais il y a un cheval qui madame nous a appelé. Madame la gendarme. Ah ouais, c'est ça. Il y a un cheval qui nous a appelé, madame la gendarme. Il y avait le canard après. Et après, on a entendu le canard. Et après, on a entendu le porc. Salut les filles. Oh, c'est moi. Non, c'est vraiment, pas moi, non, le madame porc. La gendarme, est-ce que vous pourriez faire quelque chose, s'il vous plaît? Eh bien, écoutez, c'était pas mal. Il nous reste des numéros. Vas-y, balance tous ceux qui te restent. Samy, on finit le double appel. Et on vous retrouve en direct avec le rêve d'Aurélien. Il veut réaliser un rêve dans sa vie. Il faut croire en ses rêves. On vous toujours. Le dit souvent dans l'émission, mais il faut positiver, il faut être bien dans la positive. Vie. Ben oui, il y a tellement de durs moments dans la vie que quand on a un rêve, faut aller jusqu'au bout. Bah ouais, c'est mieux. Faut tout donner. Faut tout donner. Alors, il y a un appel là. Allô? Oui? Oui, ne quittez pas, vous passez quelqu'un. Allô? Allô? Oui, allô? C'est qui? Et toi? Bah, c'est Jean-Luc. Ah bah, c'est bien. Très bien. T'es bien Jean-Luc? Vous êtes trompé? Allô? Salut les filles! Allez, bonne nuit! Bonne nuit! Attends! Voilà, les animaux et. Ah, ça il a adoré! Là, il a adoré! Il a adoré, mais il est parti! Ah, bah, ils sont tous partis! On a d'autres? Vas-y si tu veux! Allez, ou alors on passe à la suite et on garde les familles pour le double appel, pour le prochain double appel! Et puis tout à l'heure, on aura besoin des familles aussi pour retrouver le clash de la drague, le clash de la drague oui. Entre Cédric et Romano. Et là aussi, ouais, les ouais, familles ouais. rentrent en jeu, puisqu'on appelle des gens au hasard et on essaie.
essaye de les séduire. Enfin, Romano et Cédric, plus précisément, essaye de les séduire, connaissez le principe. Quoi, Cédric s'amuse un peu et puis je lui fais des démos, quoi. Pff, ok, ouais. On verra, Romano, c'est vrai que ces temps-ci, t'es plutôt en forme. Eh ouais, bah quand Cédric triche pas, forcément, il a plus de mal à gagner, hein. Allô? Ouais? Ouais, bonjour! Le cul qui gratte, ça va, et toi? Moi aussi, ça va. Allez, bonne nuit! Eh ben écoute, bonne nuit! Et eh ben voilà, on s'est fini. Ah ben voilà, parfait. On a fini les numéros. C'est bon. Merci pour ce super double appel. Bien, ouais, les numéros que vous nous avez envoyés, vous avez déchiré une fois de plus. Merci à vous. Sly Guy, wesh. Et ben juste après, le double appel, c'est parti. C'est pour le Saint-Esprit qui l'a fait sonner. Je vais appeler les flics et je vais te les mettre au cul. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Si vous n'arrêtez pas d'appeler ce numéro, ce n'est pas nous. Ça va chier. Petit con de merde. Le double appel de Difool sur Skyrock. Ah, elle a craqué. Il y a toujours un moment où ça peut craquer elle dans le double appel. Elle était sur les nerfs, la bonne femme. Attention, attention, méfiez-vous. Ça peut se passer n'importe quand sur Skyrock. Et dès maintenant, puisque c'est parti pour les premiers coups de téléphone, les numéros, vous nous les envoyez. Hein. On appelle les numéros que vous nous avez envoyés. Et on les met en contact avec d'autres. Qui c'est qu'on appelle? Jérémy et Philippe. Jérémy, Philippe, deux premières familles pour le double appel. On tente la connexion. Oh, ça a marché. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Allô? Allô? Oui. Allô? Mais Skyrock? Ah, t'écoutes Skyrock toi aussi? Ouais, ouais. Ah, ouais, ça, absolument, ouais. Ah bah tiens. Allô, allô? Non, là. Allô? Oui, c'est qui? Oui, comment vas-tu? Ça va, ça va. Moi je suis Patrick, hein. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est Jérémy. Ah, c'est Jérémy. Salut Jérémy. Salut. Champion, mon frère. Il y a l'autre qui est toujours là. Donc. Pas mal. Et l'autre, il s'appelle comment? Philippe. Salut Philippe. Tranquillement, ou avec les queues à l'air. Là. Salut Patrick également. Ah bah ouais, 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 Patrick. Tout le monde est là, tout le monde est réuni. Hein. Comment ça va, Jérémy, alors? Ça va. Bien, Jérémy, tranquille, il squatte notre double appel. Bienvenue, tu nous as repéré. Jérémy, t'habites où, toi? Moi, j'habite dans le Nord, Bourgogne. Ah, on était chez les Nordistes, là. Ah, comment ça va-t-il? Ah, ça fait plaisir de vous avoir au téléphone, les gars. Au début, je croyais que c'était un pote qui me faisait une connerie. Ah, bah, c'est un pote qui t'a fait une connerie. Est-ce que tu connais le Grand Schtroumpf? Qui, Grand Schtroumpf? Ouais, le Grand Schtroumpf. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui a un pseudo qui s'appelle Grand Schtroumpf qui nous a laissé ton numéro de téléphone pour qu'on t'appelle ce soir. Ah ben putain, ça fait plaisir. Eh bien, on salue le Grand Schtroumpf. Eh bien, salut à lui. Recherche parmi tes potes qui est le Grand Schtroumpf. Oh là, la Schtroumpfette, elle m'excite. Oui, c'est un dessin, Cédric. Ah ouais. Et elle est toute petite, elle est jeune aussi. Ah ouais, génial, j'irai bien dans sa maison champignon. Voilà, surtout que des champignons, j'en ai plein partout. Ah ouais, je peux lui faire des belles maisons. Je peux lui faire un lotissement avec tous les champignons que j'ai. Ouais. Voilà, sur les pieds, sur les cuisses. Un quartier total. Voilà, j'ai fait une ville, j'ai fait Paris. Voilà, je suis champignonné de partout. J'en ai dans la bouche. Bon, on va t'envoyer un cadeau, Jérémy, tu mérites. Hein. Ouais, bah ouais, ça fait plaisir. Tu choisis ton maillot, ton jeu, le CD que tu veux. Enfin, c'est comme tu sens. Ouais, tu te sers. Tu te sers, bon, c'est gratuit. Bah écoute, je vais te prendre le maillot de l'équipe de France pour appeler femme. Allez, le maillot de l'équipe de France. On suivra le match d'ailleurs demain soir. Hein. Soyez là entre 21h et 22h. Allez, les bleus contre l'Italie. Match pour se préparer, parce que les Italiens vont pas à la Coupe du Monde. Mais bon, on se prépare demain soir, on suivra le match. Et on t'envoie ton maillot, Jérémy. Bien joué. Même si tu nous as fait foirer notre double appel, mais on retente le coup. Allez, c'est reparti, mon kiki. On t'embrasse, Jérémy. Tiens. Ah, salut, les gars. Salut. Allez, le double appel, on y retourne. C'est reparti. On va chez qui, là, maintenant? Alors, on va dans le 16. Le 16, c'est quoi? Chante, hein, le ouais, 16. Ouais, Angoulême, hein. Tout ça. Ouais. Très bien. On va chez. Oula, mais il y a du monde. Allô, ah, allô? Oui, allô? Oui? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous m'avez appelé? Ah, du tout? Ah, si, ça a sonné. Bah, moi j'ai pas appelé. Je sais même pas qui vous êtes. Bah, ça a sonné chez nous, alors je décroche. D'accord, bah. Nous on a pas appelé. Moi, ça vient de sonner chez moi. Bah, tant pis. Hein. Bah, bonne soirée. Allô? Oui? Oui, comment vas-tu? Ça va? C'est qui? Patrick. Hein? Oh, c'est Sébastien. Qui c'est qui a appelé? Bon, alors, vous avez oublié le biberon. Bien, la pauvre Lucie, elle n'a plus rien à voir. Hein. Oula. Ouais, j'ai une bonne bite surtout. Hein. C'est qui? C'est qui? C'est ton copain, là. Bah, qui c'est le copain?
Et t'es comment, ta chatte est comment, là? Pourquoi? T'es en train de te branler? Bah oui, eh. Ah bah attends. Un peu. C'est normal, hein. T'es avec ton copain, là? Bah si. Ouais. Ah, copain. Oui, comment vas-tu? Hey, copain. C'est qui? Un Patrick. Allô? Allô, allô? C'est qui? Hein? C'est qui? Bah déjà, c'est qui? C'est pas nous qu'appelons, hein, donc c'est qui, là? Bah c'est toi t'appelles, hein. Ah non, non. Ah si? Bon, allez. Ta gueule. Ouais, je suis en train de me branler, là, bien. Ta gueule. Là. Oh, ça sent le sexe. C'est moi. Allô? Allô? Et t'es comment, ta chatte est comment, là? Hein? T'es en train de te faire baiser ou pas? Hein? Pourquoi t'appelles, toi? Pourquoi t'es j'appelle? Qui, pourquoi t'appelles, toi? Tu veux te faire sodomiser, là? Je vais te dire, plus on en dit, moins on en a. Hein? Dit, hein? T'es sûrement comme beaucoup, t'as pas de couilles. Bien dit, pam. J'ai vidé mes couilles, là. Voilà, poum, on avait trois, ils sont partis. Ah bah là, tiens, direct. Wow, comme elle les a mis à la Eh, hey, vous avez elle vu tué, comme... quoi. Elle les a mis à l'amende, la dame du 16, là. Ah, ceux qui disent, ils ont rien. À mort. Eh, hey, ouais, ceux qui ont... ils ont rien. Allez, ceux on qui disent, ils ont rien du ils tout. Ont rien. Hein? Allez, on remet une petite cartouche. Hein? Allez. Allez, allez. Une petite cartouche, c'est reparti. Chez qui on va? On va chez Patrick et Rudy. Ah, bah tiens, Patrick. Absolument, tiens, Patrick contre Patrick. Ça va être marrant, ça, tiens. Patrick. Allô? Oui. Allô? Allô? Oui? Ouais? C'est qui? Allô? Salut les filles! Allô? Allô? Oui, comment vas-tu? C'est qui là? Moi je suis Patrick, hein! Oh, allô? T'es là, des conneries, hein. Là je suis à poil, là! Je suis en train de masturber, là! Non! Comment? Allô? Vous avez envie de vous m'assurer un petit peu, non? T'es pas un travesti? Non, ah mais il est parti. Non, on s'en va pas, dommage. Il est parti. Ah ouais, ouais. On y retourne un petit coup là? Allez, c'est reparti. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Ah, il a abandonné. Ah ouais, dommage. Il a abandonné la... Ah, y en a une... La deuxième famille n'a pas abandonné par contre, attention. Oui, allô? 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 Oui, allô? Ouais, c'est qui? Bon? Allô? 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 Ouais, c'est qui? Moi, je suis Patrick, hein. Ouais, et... Et donc? Décalote complètement. Hum. Je suis en train de m'assurer là. Vous avez envie de vous m'assurer un petit peu, non? Non. Allô? Non. Il avait pas envie, dommage. Il avait pas envie. Bah, on a tenté le coup jusqu'au bout. Hein. Oui, on a tenté le tout pour le tout. C'était le tout pour le tout. Eh oui. Et bien, on y retournera, bien sûr. Quand vous voulez, pour le double appel, n'hésitez pas à nous laisser les numéros pour qu'on les appelle en direct. Oui. Sly Guy.